Là, j'ai pris ma pension de chaque pourri. Aujourd'hui, c'est journée pension. Salut tout le monde. Donc, c'est Actu, il te reste des deux. On va regarder une story de malade mental. Donc, qui est malade mental? C'est un Snapchatter qui est situé à Nice, au quartier sensible de Lariane. Donc, sa particularité, c'est qu'il rigole beaucoup pour un oui et pour un non. Et ça met tout de suite dans la joie et la bonne humeur. Donc un exemple, par exemple, cette story. Salut, là j'ai pris ma pension de chaque pourri. Aujourd'hui c'est journée pension de chaque pourri. Bah salut. C'est vrai que j'ai fait que je reste pas. J'ai pris la pension de chaque Je sais. Je te filme. Elle fait rire en bas. Donc voilà, il a des fous rires incontrôlables, on va dire. Il a des fous rires incontrôlables, il se snap lui-même. En général, soit il se snap lui-même, soit c'est un ami qui le filme. Et il aime bien ça, il a dit qu'il va reprendre Snapchat, qu'il va s'y remettre plus sérieusement. Et il avait fait, il me semble, un ou deux placements de produits à l'époque. Peut-être qu'il pourra faire des petits placements de produits, mais en tout cas, il est hyper drôle. C'est comme mon avis, il est hyper drôle. Donc pour moi, il rentre dans les perles du net. Voilà, je pense qu'il mérite même d'être un peu plus connu. Parce qu'il fait beaucoup rire. Il y en a beaucoup qui ont cru qu'il était rebeu, mais il n'est pas rebeu. Il a une tête d'arabe. Il a une tête d'arabe. Mais il est d'origine gitan. On va dire gitan de France. Voilà, il y a beaucoup de gitans, des fois, qui ressemblent un peu aux rebeu, surtout les gitans d'Espagne. Surtout les gitans du sud et d'Espagne, voilà. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui fait rire, qui fait pas mal rire. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, si vous voulez, dire ce que vous en pensez. Vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour suivre mes prochaines vidéos et présentations d'influenceurs sympas, les perles du net, surtout humour, tout ça. Allez, à bientôt.